Et toujours à propos de cette loi Macron, les coulisses d'une mobilisation. Les notaires, on l'a vu, étaient dans la rue hier. Qu'y a-t-il derrière les cortèges, les slogans, les images? Vous allez voir que rien n'est laissé au hasard. L'œil du 20h sur l'envers du décor avec Emmanuel Lagarde et Mathias Segond. Et si manifester était une affaire de professionnels? Surtout quand on n'a pas l'habitude de battre le pavé. C'est ce que l'œil du 20h a découvert hier, dans les coulisses du défilé des notaires. C'est peut-être un cliché, mais ces jeunes gens qui distribuent autocollants et banderoles nous semblent un peu jeunes pour rédiger un testament. Vous êtes plus avocat ou notaire? Ah là, ça devient compliqué en fait. En fait, nous on est dans les intermittents qui viennent ici justement pour organiser et encadrer la manifestation. Des intermittents du spectacle, payés pour mettre l'ambiance, vous avez bien compris. On essaye de motiver chacun afin que la manifestation se passe bien, qu'il y ait des couleurs. 58 personnes embauchées rien que pour distribuer les banderoles. Et pour que la fête ne dégénère pas, de nombreux vigiles. On n'avait pas forcément le droit d'interviewer. Mais le plus étonnant, ce sont les 5 caméras, dont 2 perchées sur des nacelles. Elles ont filmé toute la manifestation, de bien belles images, distribuées gratuitement à la presse. C'est pas courant ça pour une manif? Pour une manif, non, c'est bizarre. En général, c'est les médias qui font tout seul et là, on nous demande de venir en plus, quoi. Bref, une organisation digne d'un concert géant, dont le chef d'orchestre se trouve en tête de cortège. Il s'appelle Anton Molina, un spécialiste de la communication qui travaille pour l'agence Havas. Une institution aux clients prestigieux, Citroën, Orange, Total, Monoprix ou EDF. Et depuis le mois de juin, les notaires de France donc. Nous, on les aide à formuler leurs argumentaires. Oui, ça fait partie de vos prestations en fait. Tout à fait. Havas ne soigne donc pas que la mise en scène. L'agence a aussi aidé les notaires pour le texte. Depuis septembre, circule ce kit de mobilisation. À l'intérieur, des éléments de langage pour répondre aux journalistes. Parce que nous sommes un service public et nous assurons la sécurité juridique. La Chine ou d'autres pays ont adopté le système français et donc c'est un système qu'on exporte. Alors combien les notaires ont-ils payé à Havas? Leur représentant avait promis de nous communiquer un chiffre, on attend toujours, mais selon nos calculs, depuis juin, ils ont dépensé plus de 2 millions d'euros en publicité et en communication.